Monsieur Samy Aigli, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors la prochaine législature aura du pain sur la planche, la situation économique est prioritaire, les attentes sont énormes du côté du patronat, monsieur Samy Aigli. Tout à fait, les attentes sont énormes du côté du patronat et du côté des chefs d'entreprise, et les chefs d'entreprise et des citoyens avant tout, parce que l'attente effectivement, elle est importante face à ce challenge, face à cette, je pense, étape cruciale du renouveau de l'Algérie, du renouveau bien entendu économique de l'Algérie. Assainissement des lois est une priorité aujourd'hui qui sont carrément une contrainte pour les investissements. Il faut défraîchir les textes, supprimer certaines contraintes par exemple, comme les agréments, les autorisations, les commissions et sous-commissions. Il faut bannir ces procédures qui génèrent des lenteurs et aussi de la corruption, il faut le dire franchement, puisque le président de la République a commencé par supprimer le CNI, le Conseil National des Investissements. Il faut faire le reste aussi, supprimer tout à fait. Aujourd'hui, quand on dit création de richesse, elle est intimement liée à l'environnement économique et au temps de l'administration. Le temps de l'administration aujourd'hui est énorme pour l'Algérie. Personne n'a fait l'exercice d'évaluer le coût et l'impact du temps de l'administration sur l'économie et sur le retard qu'il a engendré. Et tout ça vient effectivement par parfois l'incompréhension des textes, par la contradiction des textes, par l'attente de promulgation de textes ou de lois. Tout ça aujourd'hui, espérons et nous comptons énormément sur la prochaine législature pour assainir, mettre à plat, bien sûr, l'arsenal réglementaire, préserver ce qui est acquis, changer ce qui doit être changé et aller vite dans l'éclaircissement du processus d'accompagnement des chefs d'entreprise dans la création de richesses. L'environnement économique est intimement lié à tout ce qui est légiféré par les prochains députés, par la prochaine législature, à savoir les textes, encore une fois, et la réglementation régissant l'activité économique. Une réglementation qu'on attend qu'elle soit claire, une réglementation attractive à l'investissement et non pas répulsive à l'investissement, une réglementation qui permet réellement la création de richesses et qui travaille, encore une fois, aux standards internationaux. Pour les Algériens déjà ici, permettre aux Algériens ici de travailler et s'épanouir dans la création de richesses et surtout ouverte à l'investissement étranger. Alors le temps administratif, vous l'avez dit maintenant, à l'instant, est une contrainte. L'économie a besoin de pragmatisme, stabilité, flexibilité, rapidité, efficacité, car le temps c'est l'argent et on n'a plus de temps et on n'a même plus d'argent. Écoutez, le temps effectivement c'est de l'argent et je dirais même plus aujourd'hui, le temps est notre ennemi et notre allié en même temps, et notre pire ennemi. On ne peut se permettre de faire face à la crise, à l'ampleur de la crise, on parle de chefs d'entreprise dans la composante de l'économie, c'est des PME, TPE à 95%, et ils n'ont pas la liquidité qu'il faut, ils n'ont pas les ressources qu'il faut, ils n'ont pas la trésorerie qu'il faut pour tenir face à ce tsunami de crise qui est encore une fois énorme. L'impact et les résultats de cette crise-là, elle est claire, c'est la perte d'emploi et c'est ce qu'on se mobilise tous comme on est pour pouvoir préserver l'emploi. Pourquoi l'emploi? L'emploi, un, il est important pour l'économie, il est réellement la locomotive de l'économie parce que là, quand on dit pouvoir d'achat, il vient par le consommateur. Le consommateur, c'est des employés et c'est des gens qui travaillent, qui sont rémunérés en conséquence d'une manière mensuelle et c'est grâce à eux que la consommation est portée ou elle est bloquée. Ce qui fait on a cet objectif, bien entendu, tous comme on est, cette inquiétude de préserver les emplois. Et l'objectif de toutes les bonnes énergies aujourd'hui, toutes les bonnes ressources, c'est d'arriver à cette, je dirais, justice sociale qui est indispensable, encore une fois, dans l'économie et dans tout ce qu'on a vu dans les meilleurs modèles au monde, dans la transition d'une situation complexe à une situation meilleure. Il faut avant tout garantir cette justice sociale à tout prix. Justice sociale qui permet aussi l'épanouissement des Algériens dans leur pays. Il faut éviter bien sûr de sombrer d'une crise économique vers une crise sociale pour éviter le scénario 91. Il faut adapter des lois pour diversifier aussi les sources de financement. Quand vous parlez d'argent, Samy Aigli, c'est la priorité aussi. Aujourd'hui, effectivement, il faudrait, encore une fois, donner toutes les chances à l'économie pour rebondir et pour se relancer. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est le financement, c'est trouver d'autres moyens aujourd'hui de se financer par le crédit fournisseur, permettre d'acheter des équipements financés par d'autres banques, celles qu'on connaît sur le marché, par des fonds d'investissement, à trouver aujourd'hui le financement à l'étranger, ça existe même pas cher.
ça existe parfois même à des taux négatifs. Il faudrait tirer, encore une fois, profit de tout ça et surtout profiter. Tous les pays sont en train de le faire. Et je pense que les challenges de toutes les bonnes énergies, encore une fois, nous sommes citoyens de ce pays, nous sommes inquiets pour notre pays, nous chérissons notre pays et nous voulons permettre et contribuer à la réussite de notre économie, réussite de fait de notre renouveau de cette Algérie nouvelle dont tout, nous tous nous aspirons. Mais il faudrait aller encore une fois travailler d'une manière claire, d'une manière transparente, où il y a énormément de confiance entre nous, déjà algériens, entre le gouvernant et, l'entreprise et les citoyens, et mettre encore une fois toutes les chances du côté de l'économie pour rebondir. On ne peut rebondir sans nerf de la guerre qui est l'argent. Il faudrait trouver d'autres sources de financement à l'étranger aujourd'hui, par le crédit, permettre à l'acteur économique de chercher les meilleurs financements. Ici en Algérie ou ailleurs, ça existe à l'étranger, mais malheureusement, il faudrait adapter nos lois pour permettre, encore une fois, sans aucune contrainte, d'aller chercher le capital à l'étranger, par l'association, par le fonds d'investissement, par l'investissement, ou par le financement direct ou indirect à travers, le crédit fournisseur, le financement à travers d'autres banques à l'étranger, d'autres fonds à l'étranger. Il faudrait, encore une fois, éclaircir et assainir tout l'arsenal juridique régissant le financement de l'activité. On parle de financement, bien entendu, économique. On est tous alignés derrière la volonté du pays, la décision du pays de ne pas revenir sur les fameux fonds FMI et autres, car là, on touche à la souveraineté. Ça, c'est une ligne rouge. On est tous alignés derrière. Mais que le risque soit pris par le chef d'entreprise, il faudrait qu'il puisse le faire dans le cadre, bien entendu, réglementaire et dans le cadre légal. Mais on parle aujourd'hui d'investir dans le secteur bancaire, ouverture du capital de certaines banques publiques. Est-ce qu'on pourrait trouver éventuellement des repreneurs dans ces situations de crise actuelle? C'est compliqué, surtout que le système, on parle d'ouverture de secteur bancaire aujourd'hui. Le privé peut aujourd'hui créer la banque, créer une banque, mais malheureusement, pour créer une banque, il faut 20 milliards de dinars. 20 milliards de dinars, c'est plus de 130 millions d'euros. Qui a aujourd'hui la capacité de pouvoir créer une banque à 130 millions d'euros? Il nous faut au moins une dizaine d'autres banques ou une vingtaine d'autres banques privées, petites, par région, par secteur, par activité, afin d'accompagner les acteurs économiques ici et à l'étranger. Parce que là aussi, le challenge et le défi qui nous attend, c'est l'internationalisation de nos entreprises. Il n'y a pas que l'export. Hein. L'export aujourd'hui, c'est une opération commerciale, pas plus. Mais il faudrait que les Algériens, les entreprises algériennes soient présentes à l'étranger, qu'elles puissent racheter, qu'elles puissent réussir à tirer profit de la croissance, par exemple, du secteur, du marché africain, que tous les pays du monde aujourd'hui convoitent. Mais il faut faciliter aussi l'acte d'exportation, il faut mettre en place des mécanismes d'accompagnement de nos entreprises vers l'international. On parlait d'une banque, on parlait d'un guichet unique, on parlait de mettre en place aussi un dispositif particulier pour soutenir les entreprises exportatrices. Or, il y a encore et demeure des contraintes. On l'a vu avec les Libyens, on est en train de lever certaines contraintes. On pourrait investir ce marché et permettre, bien sûr, l'externalisation de nos entreprises. Tout à fait, ça, c'est un timonier. Quand on parle d'export, l'export, ce n'est pas une volonté. Je ne sais pas, je veux exporter, je vais exporter. Il faudrait avoir, bien entendu, un accompagnement de bout en bout. C'est qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise doivent avoir, par exemple, des bureaux de représentation dans ces pays-là. Des bureaux de liaison, recruter de la ressource humaine sur place pour appuyer, pour soutenir les ventes, chercher les clients. Tout ça, c'est financé. Et comment on le finance? Ma foi, aujourd'hui, la réglementation, elle bloque ça. Clairement, elle bloque ça. Il faut aussi l'autorisation de la Banque d'Algérie. Il faut lever tout type d'autorisation. Celui qui a aujourd'hui la possibilité de vendre, d'exporter, travaille encore une fois aux standards internationaux. Et il ne faut pas lier l'économie forcément avec les réserves de change. Il faut que l'économie fonctionne, il faut que l'économie tourne. Il faudrait qu'il y ait de la croissance. C'est la croissance qui va garantir les ressources en devises, et c'est l'export, et c'est l'internationalisation des entreprises. Le faire avec éthique, le faire avec clarté, le faire d'une manière légale, aujourd'hui, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Nous ne pouvons pas, encore une fois, rester dans ce modèle économique qu'on a connu, qui était bon d'un côté, mais aussi il a énormément de points faibles et même des points d'échec. Ce modèle économique basé sur la rente, basé sur la mono source de financement qui est la banque, ou les deux sources de financement, ou la banque ou le trésor. Tout ce modèle économique, encore une fois,
On ne peut aujourd'hui se permettre ce luxe-là. Alors le député, c'est le législateur, c'est celui qui adopte les lois. Il peut même proposer, conformément à ses prérogatives, un projet de loi. Est-ce qu'il faudrait que les députés soient au fait de la chose économique, éviter les erreurs qui ont été commises par le passé? Si on parle par exemple de la question du foncier aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans un cercle vicieux où on refait pratiquement les mêmes erreurs? On a dissous l'agence pour revenir vers une agence encore qui gère le foncier. On a mis en place le CalPIREF et le CalPIREF ne semble pas fonctionner. Tout est bloqué actuellement parce que personne ne veut prendre cette décision. Il n'y a pas aussi de visibilité sur cette gestion du foncier. Le député, moi, je pense qu'il a un rôle crucial, il a même un rôle historique maintenant. Historique, car c'est la personne dans qui va légiférer, qui va mettre en place des textes assainis, reflétant la réalité que vivent les acteurs économiques, reflétant la réalité qu'impose la mondialisation de l'économie, et surtout réussir, je dirais, ce rebond un peu de l'économie, qui n'est plus un choix, encore une fois. Ce qui fait qu'ils ont une responsabilité énorme devant eux, et ils ont cette responsabilité de permettre, encore une fois, de contribuer à la garantie, quelque part, du futur de nos jeunes générations qui arrivent à coups de millions. Ce qui fait qu'il faudrait mettre en place, encore une fois, des textes attractifs et non pas répulsifs à l'investissement, des textes qui créent de la, à travers lesquels créent de la richesse, et non pas on pense à perdre de la richesse, et bien entendu, permettre de sur tous les axes, vous avez cité l'axe du foncier industriel. Mais ça fait 30 ans qu'on en parle, du foncier industriel. L'incompréhension aujourd'hui, elle est énorme des acteurs économiques. Nous sommes en contact avec les acteurs économiques au quotidien. Ils ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas déposer un dossier d'investissement qui doit être traité. On parle de plus de 15 mois que le foncier est traité. Moi, je pense, je tire à travers vous aujourd'hui la sonnette d'alarme sur ce dossier-là. Il faudrait assainir, sortir, qu'on appelle CalPIREF, qu'on appelle agence, qu'on appellera autre chose, mais il faut sortir et revenir aux études des dossiers d'investissement au niveau des wilayas. 15 mois que les dossiers sont pratiquement bloqués aujourd'hui. On comprend qu'il y a de la bonne volonté, on comprend qu'il y a cette prise de conscience de changer les choses et d'aller vers autre chose qu'on a connu que le CalPIREF, mais l'attente aujourd'hui est incompréhensible. Un chef d'entreprise dans une région, à Tamanrasset ou à Idizi ou à Tizi Ouzou ou n'importe quelle région du pays, il ne comprend pas qu'il ne puisse pas déposer de dossier d'investissement ou une non-réponse de dossier qu'il a déposé depuis plus d'une année. Sur le on parle de création de richesse, on parle de chefs d'entreprise qui vont venir créer des usines, créer des affaires, créer des écoles, créer plein de choses, une entreprise, et qui va de fait avoir des répercussions sur l'emploi en local. Il y a urgence sur ce dossier-là. L'assainissement du foncier industriel, de toute manière large, on a salué la décision de récupération du foncier qui était non utilisé depuis plusieurs années au niveau des zones, mais il faudrait, je pense, élargir l'action et récupérer les dossiers. Alors, que ça soit, je pense, équitable sur les entreprises privées et publiques, parce qu'il y a des entreprises publiques. Moi, je pense que la grande partie des propriétés des zones industrielles est pour les entreprises publiques. Il faudrait aussi faire une évaluation et une récupération du foncier industriel, propriété du public, qui n'est pas exploité. On parle de zone industrielle entière. Oui, mais on parle aussi aujourd'hui de la mise en place d'une agence nationale qui aura en charge, bien sûr, cette question du foncier industriel. On revient au principe de l'agence, alors qu'on sait que l'agence précédemment avait échoué, comme c'est le cas pour l'ANIREF. Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt décentraliser? Comment une agence, à partir d'un jet, pourrait, par exemple, gérer le foncier qui est à Elizi, ou qui est à Timimoun, ou qui est à Adrar, ou qui est à Béjaïa, ou qui est à Tizi Ouzou? Je ne veux pas faire un procès d'intention, un jugement anticipé sur le résultat qui vont être obtenus par l'agence. En tout cas, chose est sûre, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de débloquer le traitement des demandes, des dossiers d'investissement. C'est une incompréhension aujourd'hui au niveau national. Aucune, je pense qu'on n'a pas qu'on ait vu avant dans un autre modèle économique, dans un autre pays, un blocage de plus de 15 mois aujourd'hui du foncier industriel. Je dis bien, il y a urgence, il y a le feu à la maison sur ce dossier-là. Il faudrait mettre les bouchées doubles pour sortir immédiatement un résultat. L'incompréhension est énorme au niveau des chefs d'entreprise. Ils ne comprennent pas comment on veut créer de la richesse et on ne peut pas traiter le dossier parce qu'on attend des textes, on attend une loi, on attend une réglementation. Parce que c'est un dossier qui est balloté entre le ministère de l'Intérieur, celui de l'Industrie, et personne n'arrive à trancher. Oui, mais le chef d'entreprise aujourd'hui, il est otage de ça et c'est une incompréhension. Chef d'entreprise, il est citoyen avant tout. Hein. On est chef d'entreprise, on est citoyen et on ne comprend pas qu'on va vers
la création au dépôt d'un dossier, mais on vous dit on ne peut pas le traiter parce que les textes d'application, les textes de loi ou je ne sais quelle réglementation qui n'est toujours pas sortie. Moi, je pense que le rôle et la responsabilité de l'État et des autorités aujourd'hui, c'est d'éclaircir d'une manière, encore une fois, transparente et claire, comment on crée de la richesse en Algérie. On parle de création de richesses. Hein. Alors, Monsieur Sami Agli, moi je voudrais revenir bien sûr sur ces questions prioritaires aujourd'hui, la relance de l'économie, impérativement, pour éviter de sombrer dans une crise sociale, puisqu'il y a eu, si on se réfère aux déclarations du ministre actuel du Travail, pas moins de 1 million d'emplois perdus pendant cette période, bien sûr, de 2019 et 2020, en raison bien sûr de la situation sanitaire que nous traversons actuellement et qui a affecté le monde entier, toutes les entreprises à travers le monde où une grande partie sont en situation de crise. On parle aujourd'hui de la relance de l'activité dans l'après-Covid. C'est la raison pour laquelle il va y avoir l'accélération de la vaccination pour aller vers une immunité collective. Mais est-ce qu'il faudrait aussi prendre conscience que nous perdons beaucoup de temps puisque nous faisons pratiquement un pas en avant et deux en arrière? Si on se réfère par exemple à des décisions qui ont été prises par rapport à l'importation des véhicules, on se retrouve encore une fois à mettre en place des commissions qui vont réfléchir alors que aux concessionnaires d'investir leur argent et d'apporter les véhicules. Ben encore une fois, l'État, lui, doit ramasser les taxes, les impôts. Encore une fois, on parle de clarté dans les décisions et malheureusement, on revient à une case de départ qui était, c'est la même chose qui était traitée en 2000, en 2000 ou fin des années 90. On revient un peu à l'agrément, à l'autorisation et à l'essence d'importation et à un cahier des charges. Et moi, je pense encore une fois, la liberté de commercer, elle est aujourd'hui indispensable. Les standards internationaux fonctionnent comme ça. Et bien sûr, payer les taxes et les droits de douane y afférents à l'opération. Je pense qu'on ne peut pas on comprend parfaitement que la priorité est donnée à autre chose. Elle est la stratégie du législateur aujourd'hui, elle est intimement liée au calcul de réserve de change. Mais encore une fois, le fonctionnement de l'économie, c'est la solution et la dynamique de l'économie qui doit être portée par, encore une fois, les chefs d'entreprise et travailler d'une manière claire, payer ses impôts, payer les droits de douane. On perd, encore une fois, plus qu'on gagne. Parce que si on importe des véhicules, ben on va payer des droits de douane et c'est des ressources, encore une fois, ô combien indispensables maintenant. C'est un dossier qui est malheureusement complexe parce qu'il a été traité et à chaque fois il y a eu des changements, il y a eu des quotas, il y a eu un monopole injustifié. Suite à ça, encore une fois, il faudrait à tout prix être comptable de la suite et être comptable de la réussite ou pas de ce processus-là et être conscient que aujourd'hui on parle de 44 millions d'Algériens qui sont malheureusement dans l'incompréhension comment acheter un véhicule et à quel prix on va l'acheter et surtout quel type de véhicule. Toutes ces questions, je pense qu'il faudrait, le législateur, les autorités ont la responsabilité aujourd'hui d'éclaircir clairement ce dossier et dire comment va être mis en place la distribution ou pas, ou l'importation ou pas, ou la construction ou pas, ou l'industrialisation ou pas des véhicules. Et aussi, on a une question importante sur laquelle on doit poser. Est-ce que c'est indispensable de produire des véhicules en Algérie? Moi, je pense que non. Il y a des pays qui ne produisent pas de véhicules, mais ils ont une économie qui est très dynamique, une économie qui est très puissante même. Ce qui fait qu'il faudrait poser les bonnes questions. On ne peut pas produire tout, on ne peut pas être bon partout. Il faudrait choisir les secteurs où on peut être bon vite et d'une manière, encore une fois, réaliste. L'agriculture, l'industrie, l'énergie solaire, la pétrochimie, le tourisme, les services avec cette jeunesse-là qui bouillonne d'énergie et de talent, toutes ces questions-là sont réellement, à notre humble avis, est une priorité. En tout cas, l'économie, encore une fois, elle est intimement liée à la clarté des textes, à la clarté de la stratégie, à la clarté de la vision. Importer ou pas, revenir à un cahier de charge ou pas, mais clairement, il faudrait répondre à un besoin qui est encore vital aujourd'hui à l'entreprise. L'exemple des véhicules, moi je pense, est juste un exemple. Hein. La situation peut être aussi floue dans d'autres secteurs. On a senti la volonté, on a senti l'intention, la bonne intention de changer les choses. Maintenant, l'incompréhension est dans la traduction, encore une fois, de toute cette volonté-là, de toute cette bonne intention-là, dans les faits, dans le vécu, dans les textes. Et là, encore une fois, on ne peut pas perdre de temps. Et le temps, je l'ai dit, c'est notre allié, c'est notre pire ennemi en même temps.
Alors, on découvre aujourd'hui, à travers les déclarations des chefs de partis politiques en campagne pour cette législature qui prend fin aujourd'hui, la campagne électorale à minuit, accorde à l'économie un grand chapitre, un grand intérêt. Ils parlent tous de l'économie à leur façon. Ils parlent de la transition énergétique, comment développer l'économie, libérer l'économie. Si on se réfère par exemple au programme du MSP par la voix de M. Mokhri, vous avez aussi d'autres leaders de partis qui parlent de la transition énergétique. C'est le cas par exemple de l'ANR avec M. Sahli. Vous avez par exemple au niveau de TEDJ, on parle de la nécessité d'alléger toutes les procédures. Vous avez du côté de l'Mustaqbel, on parle de la nécessité aujourd'hui de dédiaboliser les opérateurs économiques. À la telle enseigne que le président de l'Mustaqbel va plus loin. Il propose la libération des chefs d'entreprise incarcérés actuellement, moyennant bien sûr la restitution des biens acquis illicitement. Ça pourrait être une option pour un peu rétablir cette confiance, parce que certains opérateurs maintenant ils disent qu'ils ont peur d'investir. Monsieur Sami Agli, c'est une réalité évidente. Il va falloir qu'on se dise les vérités franchement, quand on parle franchement, quand réalité, on débat franchement de toutes les réalités. La réalité, encore une fois, on n'invente pas la roue, hein. Vous savez, le politique aujourd'hui, s'il parle d'économie, je pense qu'il a raison. Il a raison aujourd'hui de parler d'économie, parce qu'il n'y a aucun pays encore dans le monde qui a réussi sans économie. Mais la politique, c'est l'économie. La politique, oui, la politique. Les intérêts de l'État, c'est l'économie. Mais je parle moi de l'économie. La politique économique, si j'ose dire, la politique économique. Le politique doit réfléchir économiquement et non pas politiquement. Les pires des décisions qui ont été faites en Algérie, parce qu'on a raisonné politiquement et n'a pas pensé à l'impact économique. Si on calcule. On n'a pas évalué la portée des décisions qui avaient été prises avant. En fait, il faut raisonner économiquement, bien sûr, porté par des politiques qui traduisent tout ça en loi, en créer de la richesse. C'est policy économique et non pas politique. Le politique doit mettre l'environnement et les textes régissants permettant la création de cette richesse-là. Vous avez aussi parlé de ce qui a été déclaré par des chefs de parti. Bien sûr, c'est leur déclaration, mais moi, je résume ça. En un mot, la confiance aujourd'hui. Comment allons-nous revenir à une confiance entre nous, des Algériens, acteurs économiques, pour permettre. Mais bien sûr que l'acteur économique aujourd'hui est inquiet, mais bien sûr qu'il a peur aujourd'hui d'investir. Cette incompréhension, elle titanise aujourd'hui les acteurs économiques, les décideurs, et même les responsables au niveau des administrations. Quand on parle, tout le monde le dit aujourd'hui, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de prise de décision. C'est une réalité amère. Moi, je pense que ça, peut-être les gens ne prennent pas en considération l'ampleur et l'importance de ce blocage-là. C'est une autre, aujourd'hui, bureaucratie qui se crée, indirectement ou directement, je ne sais pas comment la qualifier, mais l'inertie, aujourd'hui, qui est ressentie sur tous les niveaux. Quand un privé aujourd'hui vous dit j'ai peur d'investir, quand un privé vous dit je veux pas investir, j'ai pas de clarté, moi je pense que c'est une grosse inquiétude. Quand un privé aujourd'hui qui dit moi j'arrête jusqu'à nouvel ordre, je vais voir un peu comment. Tout ça, c'est inquiétant. Il faut encore une fois être à la hauteur du potentiel de l'économie algérienne. Tout est à faire, mais il faudrait qu'on ait la confiance aujourd'hui, la clarté des textes et surtout une confiance. Qu'on travaille. Sans peur, sans crainte et en totale confiance. Il faut de la sérénité, de l'apaisement de part et d'autre. Dans le contexte actuel. Moi, je l'ai déclaré, je pense, chez vous plusieurs reprises, il faut de l'apaisement. Il faut, vous savez, il faut réellement qu'on se pose main dans la main, encore une fois, on avance doucement. Encore une fois, notre destin, il est commun. On ne parle pas de deux pays, on parle d'un seul pays, on parle d'un seul avenir, on parle d'un seul objectif qui est l'Algérie, qui est la réussite et la relance de l'économie algérienne. Il faut travailler, encore une fois, dans l'apaisement. Que les lois de la République soient appliquées avec rigueur, avec clarté. Mais il faudrait de la confiance, il faut de l'apaisement. Il faudrait que les gens aient confiance dans l'avenir de ce pays. Les acteurs économiques ont montré, encore une fois, leur disponibilité, leur disposition à être prêts, dans les meilleurs moments, dans les pires moments, à être prêts aujourd'hui à l'internationalisation, malgré la lourdeur économique. Vous imaginez un peu si on assainit tout ça et on donne réellement un environnement clair et attractif et permettant la création, mais ils vont exploser, ils vont développer l'entreprise comme pas possible. Ce qui fait le challenge aujourd'hui, le défi aujourd'hui, c'est un mot,
confiance. Comment reprendre confiance entre nous, déjà Algériens, pour préserver ce magnifique pays qui est l'Algérie. Mais le prochain législateur plutôt, ou député, a une lourde responsabilité, être à l'écoute des opérateurs, quelle que soit leur taille, puisque nous savons que notre marché est constitué à 95% de TPE et petites entreprises, pour éviter bien sûr d'adopter des lois contre-productives qui vont à l'encontre de l'économie, comme ce fut le cas par le passé. C'est-à-dire il y a eu des gens qui ont opéré des transferts illicites de dividendes vers l'étranger, on a adopté la 5149, où on a bloqué tous les secteurs économiques. Ben, l'informel aujourd'hui. À partir de 2009. C'était par rapport à un opérateur de téléphonie mobile. Ben oui, mais de toute façon, aujourd'hui, on l'a généralisé sur l'ensemble. On a une énorme responsabilité. Le tourisme, les services, tous les domaines. On a une énorme responsabilité sur l'avenir un peu économique. Et surtout, l'apaisement, je dirais, et l'assainissement de cet, je dirais, environnement économique. Mais je vous le dis clairement, il faut de l'apaisement par les lois, il faut de l'apaisement par les déclarations, il faut remettre de la confiance, mais dans les faits, encore une fois, les gens sont inquiets de travailler, sont inquiets de créer une entreprise, sont inquiets de demander un terrain. L'administrateur est inquiet de signer un permis de construire. On a des réclamations aujourd'hui sur des permis de construire, madame. Tout ça, c'est totalement incompréhensible. Notre responsabilité, nous sommes tous responsables. Nous sommes tous aujourd'hui, comme acteurs économiques, citoyens, législateurs, chefs d'entreprise, administrateurs, sont responsables un peu du devenir et de l'avenir, je dirais, de l'économie. Mais cette institution est importante dans l'échiquier politique actuel, puisque c'est bien sûr, c'est elle qui aura bien sûr le contrôle sur l'exercice de l'exécutif. Elle peut même bien sûr proposer des lois, revoir des lois ou s'opposer à certaines lois et surtout aussi constituer des commissions d'enquête parlementaires. Nous, on a vu dernièrement, lors d'un des derniers conseils des ministres présidé par le président de la République, qui a préféré différer l'adoption de la dépénalisation de l'acte de gestion et la révision, bien sûr, du code du travail à la prochaine législature. C'est une décision importante, cela démontre l'importance de cette législature, de cette institution pour adopter les lois qui conviennent à l'économie. Tout la dépénalisation, c'est un acte important aujourd'hui. Le message était clair, hein, vous savez, les chefs d'entreprise. Au mois d'août 2020, le message du président de la République était clair sur la question de la dépénalisation de l'erreur de gestion, non pas de l'acte de gestion. Voler, on tombe sur le sceau de la loi, il faut que la loi soit appliquée. Et encore une fois, avec rigueur. Mais l'erreur aujourd'hui, elle est humaine et elle obéit à plein de paramètres. Et surtout, il n'y a que celui qui ne travaille pas, qui ne commet pas d'erreur. Mais c'est il faudrait préserver justement l'acteur économique qui peut faire une erreur et surtout aussi de le côté de l'administration, parce qu'il y a la même chose, cette inertie aujourd'hui vient de l'erreur. Le rôle du prochain législateur, bon, je pense qu'elle est historique, elle est énorme. De diaboliser d'une manière générale déjà le statut du législateur et du député est important. De diaboliser le statut de l'acteur économique. Il faut rappeler qu'aucun pays, dans des pays, on glorifie les acteurs économiques. Ici, on est en train de diaboliser les acteurs économiques parce que Flynn et Felton a fait des erreurs. Mais ça, c'est des responsables de personnes et non pas d'institutions ou de tissus d'entreprises. L'acteur économique doit être protégé, doit être remercié, doit être honoré parfois et doit être accompagné d'une manière claire, avec confiance. Le diaboliser, c'est une grosse erreur. Et on a diabolisé l'acteur économique. Et on a mis dans le sac, dans l'ensemble des acteurs économiques, ou tout acteur économique, ou toute organisation qui regroupant des acteurs économiques, qui étaient pratiquement des organisations criminelles. Ça, c'est une grosse erreur. Il faudrait mettre, encore une fois, la sagesse et mettre de la clarté dans le processus d'appréciation, je dirais, des personnes et cet environnement économique ne peut être porté que par des acteurs économiques. Vous savez, quand on fait une guerre, on a besoin de soldats. Et les soldats de l'économie aujourd'hui sont les entreprises. Il faudrait qu'on soit prêt pour porter et pour préserver et pour faire face à cette crise économique qui n'est pas finie encore. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui nous intervenons, je suis un opérateur économique et nous vivons bien sûr une situation extrêmement difficile par rapport au contexte actuel, par rapport aussi à la diabolisation des opérateurs économiques, mais il n'y a pas que cela, il y a aussi le glissement de la valeur du dinar, le flou aujourd'hui autour de la chose économique. Que doit-on faire? Est-ce qu'il faudrait espérer bien sûr un véritable sursaut?
En fait, la valeur du dinar, elle est liée intimement à la situation économique. Vous savez, l'économie, une économie forte a des monnaies fortes. Une économie qui n'est pas forte et qui est faible a une monnaie faible. La dégradation de la monnaie ou la dévaluation de la monnaie, c'est une conséquence de la crise. Elle est clairement liée à la crise. Parce que la dynamique de l'économie peut être et la solution à cette dévaluation du dinar injustifiée. Diaboliser l'acteur économique, je viens de le dire, c'est une grosse erreur. Il faut punir les gens qui sont en train de faire aujourd'hui tourner avec les médias et diaboliser Flynn et Fulton et les acteurs économiques. Il faut que la loi sévit avec rigueur, ne pas permettre aux gens de prendre des jugements sur quiconque. C'est-à-dire que la justice qui doit parler et apprécier ou juger ces gens-là. Il faut pénaliser la bureaucratie et les bureaucrates aujourd'hui. Ah ben nous, on l'a fait dans notre plaidoyer, dans les 62 propositions, on a parlé de pénalisation de la bureaucratie. On a bien pénalisé les acteurs économiques ou l'erreur de gestion. Et il faudrait aussi pénaliser la bureaucratie. Comment une administration qui bloque la création d'une richesse ou la création d'une usine dans une région où on a besoin de création de richesse. Et elle est bloquée avec aucune justification parce qu'il y a un responsable qui n'a pas voulu signer. Moi, je pense qu'il faut aller vers la pénalisation de cette bureaucratie et l'appréciation de qui a fait bien et qui a fait mal pour le pays. Alors, effectivement, on ne fait pas d'économie car rien qu'avec de la volonté, mais plutôt par des hommes compétents, courageux et intègres, et surtout avec une vraie justice ferme, correcte et rapide, ce qui rassurera l'investisseur et l'administrateur d'une part et dissuadera les bureaucrates et les autres. Il y a beaucoup d'attentes. C'est une excellente question, c'est un excellent commentaire, c'est une réalité. C'est celui de l'auditeur. Excellent. C'est une réalité qui est là. Il y a les acteurs économiques, encore une fois. Les gens sont animés de bonne volonté, sont animés de... Si un acteur économique étudie un projet, c'est qu'il veut faire, il veut créer, il croit en pays, à son pays, il veut être acteur et non pas spectateur de ce renouveau de l'Algérie. Et il faut l'accompagner, le bloquer, et ma foi, il faut aussi sévir sur les gens qui bloquent, qui bloque la création de richesses d'une manière claire. Et vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit « Ça fait des années durant qu'on parle d'urgence, on sonne la sonnette d'alarme sur les investissements, les exportations qui sont bloquées aujourd'hui. Est-ce qu'on peut désigner du doigt les responsabilités, les situer de chacun et sanctionner les responsables et les départements concernés ?» Il faudrait sévir et intervenir. Il faudrait sévir et il faut de l'apaisement, encore une fois. Revenir on ne va pas président de la République. Il faut que les institutions fonctionnent. Il n'y a qu'en Algérie qu'on voit ça, où tout le monde parle du président de la République, il y a des gens qui tournent, qui font la tournée et parlent au nom du président de la République. Je pense que le président de la République, c'est le président de tous les Algériens et il faudrait travailler, mais encore une fois, d'une manière logique et d'une manière claire. Parler du président de la République, moi je pense que ce n'est pas le rôle... Mais on attend l'intervention à chaque fois du président pour faut, agir. Il faut de la... Il faudrait que les institutions fonctionnent. Nous, l'interface des acteurs économiques, c'est l'administration, l'interface c'est les wali, l'interface c'est les différentes institutions régissant l'acteur économique. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça c'est une réalité qui est portée aujourd'hui. Mais si on parle d'apaisement aussi, il faut tourner la page, il faut voir l'avenir, revenir dans le passé, qui ne veut pas passer, qui ne va pas passer. Il faut aller vers l'avenir d'une manière apaisée, d'une manière constructive et d'une manière, encore une fois, basée sur la confiance. Vous savez, on a bien fait avant, on a bien pardonné à des gens qui ont tué, à des gens qui ont fait des crimes, et parce qu'il fallait tourner la page. Mais moi, je pense aujourd'hui, je dis bien, je suis clair sur ça, ceux qui ont violé la loi doivent être punis. Mais on ne peut pas aujourd'hui diaboliser tout le monde. Il faut tourner la page, il faut de l'apaisement. On est en train de vivre des mouvements très forts en Algérie, il ne faut pas rater le coche. Cette nouvelle législature, le Hirak, a porté des avantages énormes. Tout ce qu'on est en train de vivre avec ce renouveau des institutions, que ce soit de la présidence à la législature, porté par des jeunes, il ne faut pas qu'on puisse réduire ça à des jugements ou des appréciations, à des raisons. Moi, je pense tourner la page, être encore une fois clair dans l'application des lois, mais avancer avec confiance et surtout voir l'avenir. On est qui va porter l'avenir? C'est ses enfants. Aucun pays dans le monde n'a réussi une quelconque transition sans ses enfants, sans ses soldats qui sont des entreprises, des acteurs économiques et autres. Encore une fois, moi je prends j'ai totalement confiance en l'avenir, porté par encore une fois des chefs d'entreprise, des enfants de ce pays-là qui chérissent ce pays, mais d'une manière encore une fois
clairement transparente et encore une fois constructive et préservant l'avenir des générations futures. Alors créer des guichets uniques en urgence pour tous les investisseurs qu'on ne les oriente pas d'une administration à une autre, d'un bureau à une autre, d'une banque à une autre, d'un guichet à une autre. Ben oui, mais ça passe dans le processus de débureaucratisation, du processus de création de la richesse, la clarté du processus, et moi je pense que c'est indispensable. Encore une fois, vous savez, l'acteur économique, il ne change pas. Ici ou ailleurs, il faudrait être clair comment créer de la richesse et surtout réussir cette création de richesse. Mais il faut savoir aussi choisir ses représentants, les bons et les vrais. Ah oui, on a aujourd'hui une occasion en or. Le peuple a la possibilité de choisir. On a une occasion en or qu'il ne faut surtout pas rater. Il ne faut pas réduire, je pense, les prochaines échéances. C'est des échéances qui sont historiques, il ne faut pas les réduire. C'est une chance qui revient chaque 5 ans. On n'a pas besoin de perdre encore une fois 5 années. Pour que ce soit pour le Parlement ou pour les locales qui vont arriver tout, avant tout la fin de tout type de représentants, c'est la responsabilité des peuples et je pense qu'on a un rendez-vous important qu'il ne faut pas rater. Monsieur Sami Egli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup.